Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis très très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, nous avions parlé beaucoup sur les réformes qui doivent être implémentées afin que nous puissions avoir le changement. C'est-à-dire que nous nous sommes concentrés sur la base, donc l'origine, d'où peut venir le changement. Et nous avions donné beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés pour nous dire c'est un bon projet là, le projet des 145 territoires, c'est un bon projet de changer la constitution, mais la population ou bien le peuple congolais, peut-être beaucoup d'entre nous qui nous disent que non, il ne faudrait pas qu'on change, qu'on ne touche pas à la constitution. Mais nous nous posons la question finalement, où est-ce que nous pouvons commencer à faire le changement? Le changement peut venir d'où? Et en quoi consistera le changement? Le changement que nous prenons tous, le peuple congolais veut voir que son pays puisse rentrer finalement sur le rail du développement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pilo konyo so o ezako salema na Congo lelo, ba projet nyo so o yo président Félix Tshisekedi na ngo bientôt place to outi et même la biselo comme côté. Beaucoup de gens sont en train de quitter leur milieu d'origine, ba tubaza ko lingaba kende pa yo bazo mona keno place wana nde ko kikupe sa bango moi chance à vivre. Le peuple congolais est désemparé. De l'est nous avons la guerre, à l'ouest il y a pratiquement l'incongruo, notre parlement, la structure de notre pays n'est pas vraiment à ce que nous attendions. Au moment où les pays sont en train de s'organiser, au moment où nous cherchons à ce que comment est-ce que nous pouvons finalement nous retrouver dans un pays où il faut bon vivre, makamunyo so ezako kende malamute. Tout est pratiquement en train d'être entré dans des scandales, tout ça. Il y a la jungle, il n'y a pas, les lois ne sont pas respectées, la constitution n'est pas respectée, ou la constitution, d'autres personnes disent que c'est cette constitution qui est la constitution, elle est bonne, tout ça, et c'est une bonne constitution. Donc, finalement, il y a une incompréhension, une désorganisation même du pays. Le pays est à quoi décoller. Nous sommes devenus un pays qu'on a vendu, toko longwana eloko wana ndenge nini. C'est ça la question. Question ezali toko longa ndenge nini biso nyoso Congo ango ekozala ya makasi ndenge nini. Comment est-ce que nous pourrons dire que non notre pays Congo ezali eloko makasi? Toko koma wana ndenge nini? C'est ça justement le problème que nous nous posons ici. Et nous cherchons à donner quand même certaines solutions comment toko kobima wana. C'est ainsi que bomonaki ke biso tolobaki to bandaki ban l'émission o soko tangi na banani na concept émission na tangu to o émission o tangu to créer ki ango. Nous avons dit nous devons commencer par le commencement. Nous ne pouvons pas partir sur des bases qui ne nous amèneront à rien. Base nini mboka na biso ezana ango. On voit les gens qui viennent de l'étranger, ba diaspora, baza kozonga, ba tubaye. Nous avons batwaza ko prone ngainde mutuna ko sala boye tout ça vraiment ezali eza mawapena pasi parce que toza ko réfléchir comme ba intellectualité. Nous cherchons à copier ce que les autres font à amener et pas na biso or tozo ko kailoko wana te. Alors nous avions dit ici que non, nous devons réfléchir sur les bases nini yango o tokuko ko banda to tongi nango. Otoyebi que toza ko poser ba pierre moko pour que finalement toza la na gouvernement moko et to ko reconnaître légitimité toyebi que batu o bazaboué ba oyo bazaboué mboka na biso eza nini mboka na biso eza appartenir na batu moko te. Ce pays n'appartient pas à une seule personne ou à un colobaké. Non, ngai yo eza mboka na ngai nga mutu na kobongisa nga mutu na kosala boye. Non, ce pays nous appartient tous. Et nous tous, nous avons le devoir de gérer ce pays, de contrôler et de voir tozo kende wapi. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous allons parler aujourd'hui de notre pays et de l'organisation. Quelles sont les bases?
sur lequel nous devons fonder base wana batuni yango bako poser ba base wana ya développement. Est-ce que ça mutu moko? Est-ce que ça étranger? Est-ce que ça batu o ba uti libanda? Est-ce que ça batu o bazana kati? En tout cas, au courant de cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de la généralité ba base nini yango tokoki poser et loko nini yango tokoki kosala pour que enfin na 2023 total à ce qui m'a développé en gondengé. Comment est-ce que nous pouvons repartir sur de bases qui diminueront la corruption, qui engageront le peuple congolais dans le développement de leur contrée? Na batunyon se toko contrôla men dengé. Est-ce que toko pesa mboka ou toko continue kote kango na bapaye? Comment nous devons sortir de cet esclavagisme ou ya koulobakeno batu alibanda kaka ou Kinshasa kaka mtu azana na opportunité ou bien azana makasi azana pouvoir ya kwa kobongise la biso ba pont, ba kobongise la biso, ba kote ke la biso ba minere na biso tout ça. Alors aujourd'hui nous allons parler un peu de cette globalité. Ça sera une émission un peu générale. En tout cas, bo blanda parce que toko bandango, ezaneti tozo bandelango on kolobela, tozo bandela kolobela. Otobanda koloba déjà depuis kala. Comment nous devons sortir de ce marasme dans lequel nous sommes? Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour parler de notre pays, pour parler un peu de la généralité. Où est-ce que nous pouvons commencer à construire notre pays? Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Sud Kivu, conflit autour de la réserve naturelle d'Itombwe. Voici la solution réfléchie du clan Bahanga. Et puis à Kisangani, la SNL annonce un délestage sur l'ensemble de la ville. Et pour terminer avec election-net, élection 2023, vous lirez ce que pense Samalou Kondé dans cette édition. On va sur actualité.cd. La société Makasi Beverage lance à Kinshasa son programme Makasi Women Empowerment Program pour l'autonomisation de la femme congolaise. Pour le PPRD, le procès Kambere est un dossier politique monté savamment par le pouvoir en place, utilisant une justice instrumentalisée à souhait. On va sur Congo profond, expiration du délai de restitution du trophée Linafoot avec club, Mazembe n'a pas toujours broché. Tous les yeux sur la Linafoot. Kasumba laisse à 3 morts dans un accident. Le maire Kapampa réconforte les familles et annonce les nouvelles décisions. 7 sur 7. Ici, toujours l'affaire Kambere. Assemblée nationale, la session de mars s'ouvre ce mardi. Et puis, Linafoot, faible temps de jeu pour Bakambu depuis son arrivée à Marseille. Okapi, Radio Okapi, Kinshasa lance lancement officiel des synergies de femmes politiques. Et puis Maniema, les autorités formées sur l'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Merci, on se revoit dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, actualité a prédominé dans l'accident Oyo et Salemi à côté à ya Kasai kuna train za ko luta kote ya Kasai zo kende kote ya Lubumbashi. C'est tout, on condamne batu msusu oh non SNCC tout ça biloko nyonso tout ezalaki erreur humaine ezaki train marchandise. Comment il y a quelque temps bande ko tozako solana moninga moko na la kisaki ba photo na l'hôpital au moni ndenge batu bazo kota na train marchandise. C'était prévisible que loko il faut comment babiloko oye kokoma kaka soki tozo kende kaka soki tozwi conscience te ya kozwa mboka na biso to organiser ango globalement. La solution du Congo n'est pas une solution particulière to kobanda kokanga batu. Nous devons songer à bâtir notre pays batu nini ango siko. Alors na kati ya structure ya émission alelo to kotala ndenge nini, qu'est-ce que nous, par où nous devons commencer? Tolobaka awa tolobi, pour l'instant, le programme de ça, le projet de 145 territoires, yango na toko tozo lobela, toko explicité ango vraiment makasi awa. Toko explicité programme à 145 territoires et zanini. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous devons nous y prendre? Réalisation à projet ana, toko sala yango ndenge nini?
Est-ce que c'est possible de le faire avec Tshisekedi? Est-ce que c'est facile à le faire avec nous tous, le peuple congolais? Toko sa langoni, peuple congolais est un concept, est un général. Mais nous devons nous organiser pour y arriver. Alors, ba acteur ni nango, oyo yango na tozolo ba peuple, nous devons définir le peuple, c'est qui? Or, tous les sous-outés que nous mboka oyo eza conquéri par batumoko boye bakoya bakobongisa labino bakotiela bino bakura non. Le pays appartient au peuple congolais. Et c'est qui le peuple congolais? C'est le peuple congolais est défini dans l'article 10. Il y a constitution à l'élo. Pouvoir ni président de la République Azanango, parce que nous nous avions dit, nous tous oyopo a entamé ba réforme. Oyo kozongi sabatou na conscience. Pour l'instant, na katia constitution oyo, eza Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'homme qui peut déclarer aujourd'hui en disant que non, écoutez, trop c'est trop, qu'on s'arrête un peu, recommençons à faire notre pays, recommençons à construire notre pays. Et fondation nini ango toko tiana mboka oyo. Nandenge nini toko se prendre, toko engager ba réforme wana ndenge nini. On va engager les réformes. Dans la même constitution d'aujourd'hui, non. C'est pour cela que nous nous sommes dit. Le président de la République, Batumsouba, il s'est dit que non, il y a un coup d'État, ce qui est changement de constitution, et ça l'a mis les lots. Bandeko, mon cannabis aujourd'hui, nous ne savons pas. Tu as évité place ni nango tozali. Et c'est pour cela que nous devons prendre conscience. Babitumba wana ezana est. Est-ce que Kosila yango moko kakaboe? Est-ce que c'est par la parole que ça terminera? Et là, konyoso na lingina yebisabino awa, eza likambo à pouvoir, eza likambo à s'approprier na mabele na biso. Nous devons nous approprier de notre terre. Et c'est là que nous sommes dit que le président de la République doit être conscient, ya koloba ke non. Na ndenge na ye na pouvoir, na ya ki na pouvoir, na ndenge moko civilisé. Je suis là, je ne suis pas arrivé là-bas que non parce que ma bamba et ça là qui banane non mutu oya zalaki amona ki keta na ye na ndenge ba mandature ba législature ba ndenge okende. Nous avons cette culture démocratique auto antamaki et que nous encourageons ya ko changer batu na tete ya mboka. Mais maintenant nous sommes dit, si vraiment le président de la République veut apporter le changement dans ce pays, il faut qu'il commence à reconstruire. Nous allons nous souhaiter. Il faut tout construire. Tout construire sur base à Babiloko et Zamabe. Et là, on a dit Zamabe. D'abord, la structure où il y a un ezali déjà, ils copé sa espoir de sous-souter. L'unitarisme dans lequel nous sommes ne nous permet plus. Et ça échoué qui n'ango déjà depuis 1960, imagine-toi, 65 plus, pratiquement. Tokoma qui n'a apogé, Mobutu aya qui n'a unitarisme, wana, a sangisa ki biso nyoso. Ça, nous ne pouvons pas le nuer. Mais maintenant, Tokoma qui n'a apogé, parce que ce qui est loko comme il n'a apogé, n'ango, ba mabe, si quoi comme il ko salema. Corruption, koti, tribalisme, koti, moïbie, koti. Nous ne savons pas contrôler nos régions, nous ne savons pas contrôler nos minéraux, et comme kaka, chacun pour soi, Dieu pour tous. Moutouna moutou, azako linga, a benda, planae, a mi bongisaye moko, l'esprit à l'état etikala li susute. Esprit à état congolais, Zali sous-souté. Or, et là, quand il y a base, il y a tout ça là, awa, Zali ko construire base, et Zali ko construire mbo cannabiso à partir de la base. Nous réfléchissons. Ici, nous nous sommes dit, bah, tu vas à Koloba Keno. Oh, décentralisation, oh, il faut que ça là, qu'on a un unitarisme, oh, et qu'on a les mains, oh. Tous les mots ont été décrits mais Simba quitté. La solution c'est quoi? Solution ezali kaka pouvoir dans la pratique des choses. Toti kana makambo ba dénomination il y a structure ya sika otoko ko sala. To bongisa nanu mboka. Je crois que Mobutu tant wayaki akutaki ba mbilinga mbilinga o ba to abundaki ba partimi a monaki ke multipartisme e kokai ko sala biso loko mokote yango alobaki parti bon moko et il a fait à peu près une affaire à 30 ans
Et dans ces 30 ans, nous pouvons classer que dans 30 ans, en tout cas, il y avait 20 ans, où il y a un mot qui vraiment batounyoso tout bas se reconnaître que non, mokonzi azo sala, azo salelo. Mais si quoi, comment qui n'a soukanango, c'est ça le problème. Corruption, kota qui est comme mbok et comme ingouvernable. Pourquoi? Parce que on n'avait pas posé les bases sur lesquelles le pays sera développé. To comment est-ce qu'on sait que Mobutu a causé l'éternel? Tant que comment qui n'a soukazo contrôlé sous souté, c'est ça que Bambilinga Milinga Botamaki. Alors, nous nous sommes dit ceci, Bandeko. Projet à 145 territoires, nous, selon notre conception, Ezali et Loko Oyo, Eza na espoir na motuya mingi pour na kotia biloko nyonso en place. Projet à 145 territoires, son but c'était de rétrocéder le pouvoir à la base. To rétrocéder le pouvoir na base na ndenge nini na peuple na ko construire ba institution état na katia base. Donc batuna place bazali baye ba nini yango tozo sala nani yango azalaka awa nani yango sala kini. Je vais vous donner un exemple na couvrir parenthèse. Je crois que beaucoup de gens ont suivi le ministre des hydrocarbures au azalaki na côté na Congo central kuna côté à Mwanda. Baloba ki président de la République a pesa ka 10 millions na territoire ce qui a Mwanda kuna po développement kuna salema. Alors ils ont fait un mois à peu près ya ba discussion ONU nani mtu ko gérer mbongo wana tout en négligeant que na kati ya ba nani oyo na kati ya na organigramme na ndenge mboka na biso ezota ezo salema. Vous ne pouvez pas dire que non toko pesa toko sala comité moko e gérer mbongo oyo ezako destiné pona territoire. Nous devons réorganiser d'abord les territoires. C'est pour cela moi j'ai été très content parce que mon wana que bazolo ba ono organisation moko non, nous devons prendre les structures de base. Quelles sont les structures de base? Parce que cacophonie ezali wapi? Cacophonie ezali que non Kinshasa est désigné bato bako piloter projet wana. Nous devons mettre le peuple congolais devant leurs propres responsabilités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les structures qui sont là aujourd'hui, ba territoire, nakatia ba territoire, tozana ba groupement, tozana ba chefferie, tozana na territoire wana, et puis tozana ba composante moko ya minene oyo article 10 na biso ezako koloba, l'article 10 qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous avons cité ici les ethnies et les tribus qui habitent ce contrée là. Nous ne pouvons pas compter avec les gens qui vont se dire que non, biso mtoto utik na Kinshasa ba noma ki biso ba tchaki biso awa pour to ko diriger population na biso te. C'est comme ça nous nous sommes dit, président de la République doit faire attention. Les réformes devraient commencer où à partir ya ko pesa batu oyo ba vanda kana kati ya ba territoire responsabilité. Et lo kwana e ko za landenge ni, c'est comme ça nous nous sommes dit. Na kati ya une année ou presque une année et demie au Etikali, nous devons d'abord sursoir le Parlement. Nous devons sursoir le Sénat. Nous devons avoir un gouvernement qui sera chargé justement ya organisation ya babilo kwana, ya ba état de lieu ya ba territoire. Chaque territoire batuna batuba kende na nuba vanda na kati ya ba territoire na bango. Pendant ce temps-là, le pays va continuer na kaka nanyo. Mais tant utokoloba déjà, nous devons définir ça que non. Le pouvoir na 4e République otoza ko prôner et kozala basé sur les gens qui sont dans les territoires et dans les bases oza ko constituer na biso. Ba congolais otoyebani na bango, batu o ba vanda kana ba territoire, ba vanda ba réfléchir sur la sécurité. Et là, on a dit qu'il y a des quels sont les projets de développement qui sont dans le territoire na bango? Et comment s'y prendre? Comment reconstruire l'autorité de l'État dans le territoire d'administration? Différence na o salema ki na mwanda ezalika kabazana mbongo bazoluka batu o bako gérer mbongo wana et puis ils ont fait fi na ba institution o légal o ezali na kati ya banani ya territoire wana. C'est ça la différence. Je crois que je me fais comprendre ici. Esa question, ata bobengi 2, 3, 4, 5 chefs coutumiers, oh non, boya, mbongo ezali awa, bo réfléchir comment. Non, nous devons tenir compte d'abord, yaba assise, na koloba ke non.
Nous avons besoin de reconstruire le Congo. Comment est-ce que Tokozala Koko gère? Ce n'est pas les 10 millions simplement, c'est l'économie générale Yamboka. L'économie générale il y a territoire. Comment est-ce que nous allons nous y prendre sur le plan organisation il y a Batou. Quelles sont les autorités que nous allons donner le pouvoir à Kolobakeno pour créer administration par exemple l'état civil. L'état civil sera constitué comment? Comment est-ce que Tokoban? C'est là justement que nous nous sommes dit il faut tout déboucher dans nous kaka na constitution ya sika. Constitution ya sika on il faut biso ba peuple tout réfléchir que non. Dorénavant, par exemple, Moutoupo, identité naïe, awa nakati à région, comment est-ce que nous allons compter nos commerçants? Comment est-ce que nous allons comptabiliser nos possibilités économiques à bas territoire? Comment est-ce que nous allons. Et comme ça, nous pouvons être conscients. Banani ango ba ko réfléchir, c'est là où je tombe sur les acteurs qui seront dans l'organisation même à l'état de lieu, on a banani bacter nini ango ba tunini. C'est comme ça que je vous dis, ça doit être les enfants bana ya mboka ezalate que les gens qui se retrouvent là-bas. Est-ce qui sont ces gens là dans les territoires? Ce sont ces gens qui sont dans les tribus et qui sont dans les de ces territoires là na ba territoire ba tubaye bani que non ba tribu ni nezala kanakati ba territoire oyo. Quels sont les notables qui sont dans ces territoires ici? Ne prenez pas atamuto uti Kinshasa taza député o azala ki nanani. Non, il va se retrouver dans un cadre oyo toza koloba les états de lieu des territoires. Chaque territoire est co-organisé conférence auto ko réfléchir sur la sécurité, sur l'économie, sur l'administration, sur l'armée même. Ne manquez pas vraiment nani émission autoza ko lande émission sur l'armée, parce que ça fait longtemps que nous avions dit que non toujours préparer émission ana. Mais l'armée, la police de proximité, ba police même ba gardiennage, tous ceux qui sont impliqués dans la sécurité, il y a contrôle en moka. Nous avons là-bas batou bazako contrôler économie, batou ba inspecteur judiciaire, ba inspecteur économique, environnement. Toutes ces histoires-là devront être discutées dans le cadre moko local, dans le cadre moko ya base à Kolobano. Biso ba Nyindu, biso ba Fulero, biso ba Banyamulenge, biso ba. Les gens se reconnaissent là où ils habitent. To vanda nanu esika moko toloba mbilinga mbilinga zako uta wapi? Comment nous pouvons remédier na mbilinga mbilingana poto bimisa texte moko texte o ekorégir biso nyoso tout. Tokoyeba kaka par exemple que non mutu soki bakangiye eza mobeko oto salaki awa nde akendaki a l'encontre a mobeko wana biloko wana foto yo kanango a partir ya base eloko oyo eza eloko moko il faut ezala typiquement congolais. Nous ne devons pas copier la France, nous ne devons pas copier les États-Unis. C'est pour cela, moi je disais, les états des lieux de territoire sont une voie de sortie au Kokomisabiso, la 4ème République. Et puis nous avons encore le temps.
Batwaza koloba ke non, c'est parce que on veut modifier la constitution pour donner le pouvoir au président de la République. Oui. Mais pouvoir ni nango to kopesa na président de la République na 3 na 4e République. Est-ce que ça sera encore le pouvoir de lui donner tout? Non. Nous nous sommes dit bah il faut pas réfléchir. Na 4, le président ne peut pas être l'homme qui viendra comme les osale malelo yende mutuka bakobanda obenga oh président de la République ya kotale la biso likambo oh président de la République ya kotale la biso boy président de la République oh ya kosa. Non. C'est le nouveau texte que nous devons concevoir à Koloba. Texte Oya Sikato, concevoir à Ngonengenini. Quels sont les pouvoirs de l'administrateur de territoire? L'administrateur de territoire, Moussala Naeko Salamandengenini. Yangona Lobaki, l'état général à territoire et quoi aboutir na nini, et quoi aboutir na identification à population. Il faut que l'administrateur du territoire, identification à population, ça te kaka, tope sa bango ba carte d'identité. Non, l'identification de la population, ça ko benda ba biloko ebele. Comment est-ce que nous devons identifier ba commerçant na biso na kati ya nani, na kati ya territoire na biso. L'administrateur de territoire doit être à mesure ya koloba. Na mboka oyo, nous avons autant d'or, nous avons autant de cassiterites, nous avons les possibilités à batou na biso ba sala kabilanga. Il doit être à mesure ya koloba que non. Voici comment est-ce que je vais gérer là le peu d'argent ou bien mbongo oyo utaka na kati ya territoire. Poya tokende na ngona province, potokende na province, petokende na ngona gouvernement central. L'administrateur de territoire devra être le type oyo batou na kati ya ba territoire ba koloba. Non, mutu wana nde mutu akosala musala boye, nde mutu. Tout devra être défini. Et c'est ça que nous sommes dit. Projet 145 territoires eza vraiment eloko oyo. Eko sala biso bien eko bimisa biso na eloko toza na ngona kati lelo. Le projet de 145 territoires pour aller un peu na kati wana ezalaki koloba ke no batu nyonso tu na kati ya territoire ba sangana ba bimisa ba texte moko oyo bango moko bakoyokana. C'est pour cela nous nous sommes dit ba 10 millions wana o bakopesa ce n'est pas pour aller construire des ponts ou bien des projets de développement na kati ya ba territoire te. Eza pour na koorganize ba assise wana, ba assise wana o eko permettre que batu ba vanda nanu, ba concevoir texte, ba concevoir mobeko li konzi ya sika, oyo bango mo eko implique batu nyonso tout na kati ya ba territoire wana. Chaque territoire eko réfléchir sur les textes, sur la sécurité, sur l'économie, sur le développement, sur quoi que ce soit, sur Babylon. Donc, tous les secteurs ont constitué texte. Alors, le texte, on a un niveau à un territoire, il faut la compiler à un niveau à la région, à un niveau à la province. Dans la province, c'est ça, ce qui est la province, pour ceux qui ont 3, 4, 5, 6, 7 territoires, ils ont compilé le texte. Et puis, le texte, on a émis le texte. Et le texte, on a, il faut qu'il y ait un gouvernement central. Na gouvernement central ne siko ebako ekozala accompagner na nini? Gouvernement central tango kozwa texte wana ekosala poto bimisa referendum po ezala constitution asika. Alors ekozala accompagner na nini ba texte wana tango zo uta na territoire? Ba territoire tango batu bakoyoka na balobi bon voici en tout cas na de, à partir de 2023 nous voulons que le président soit comme ceci, nous voulons que ce congolais il faut azala boye. Nous devons réfléchir sur tout ba mandat ba biloko nyonso tout biloko na nyonso. Nous devons réfléchir et puis nous avons ce texte ça, nous avons déjà maquette eloko na toza nango awa. O ba biloko o batu bakoyoka kende ko réfléchir nango na kati ya ba territoire. Quels sont les sujets que le sujet oyo eza makasi oto bundaki nango to kokaki nango te eza wa eza nini? Nous devons déjà suivre ba kaneva na chaque territoire ba ko réfléchir ba koloba non sur le point tel ya sécurité, sur le plan de l'armée, sur le plan ko gérer ba commerçant na kati ya mboka na biso, sur le plan environnemental tourisme na biso to kozwa yango nene nini. Et c'est de là qu'on va dégager les responsabilités de tout un chacun. Nani administrateur azanani il sera accompagné na ndenge nini, quels seront les gouvernements territoriaux et batouana bakozala désigner ndenge nini, et tout le monde va parler
bah tu nous autres bah lobby bon ok voici le texte et quel le texte qui sera promulgué il y a un abandon de colombe non bien qu'on a accompagné na batu batu bah quand ta territoire na katia bah si zwana ya bah état des lieux les gens vont se désigner en se disant voici les gens que nous envoyons aux provinces bah kende quoi accompagner texte na biso ou bah résolution na biso na katia territoire bah quand kende na on a province. Ce qui est à 8 provinces, ce qui est à la 20, 20, 20, il y aura à peu près 160 personnes au Bakoya na province. Bakoussa la compilation. Baksali ba compilation. Oh, binobo mona kindengenini. Ah, binobo mona kindengenini. Ah, binobo. Ok, to réunir en gros ensemble, to produire texte de moko ya région na région. Tozana 26 provinces. 26 provinces, on a beaucoup produire, bah tout le monde soit bon. Tu tindis 20 personnes, on a 460 heures. Tu se désignes 20 personnes, oh tout le monde bah toi maille, oh bah ok kende, qu'on développe texte on a un niveau national. Et c'est de là où bah toi on a bah ok koloba. Non, il faut pas que bah kende kaga 20, bon bah kende toloba bah kende 20 ou bien 30, 30, 30. Vous allez voir dans les 145 territoires. Dans les 26 provinces, si nous avons 20, 20, 20, 20, nous aurons à peu près 450 personnes. Oyo ba koya koya ko sala sikoyo na assemblée nationale. Oyo ba tu asika. Ceux qui vont réfléchir sur les textes qui venant de la population. Place nini population et lobaki. Place nini population sala ki boy. Si ya mo koko sokuna, ba population ba koye ba ke ba toa nende to tinda ki e isoron. To outa ki na province, na la territoire et sala ki boye na province, et koma ki boye, voici na toza na niveau national, nous saurons défendre ce que les intérêts. Et puis texte wana ya oyo e koza la constitution asika, e koza la moutouna moutoua koza la reconnu, a ko se retrouver na kati. Les gens vont se retrouver. Et c'est de là que nous nous sommes dit, ça sera maintenant cette nouvelle constitution qui sera l'émanation, il y a peuple vraiment à Kolobakeno, bisoto lobiboy. Et que, mobeko otozo sala awa, le pouvoir reviendra toujours au peuple. Nakati ababaze, ce qui va lobite, bisoto lingi mutuana te, ils pourront être avec la possibilité à qu'on rappelle Moutouana. Et à la tête que non, qu'il n'y a qu'une seule personne qui sera responsable à Babilokwana. Nous devons qu'on reprendre la constitution. C'est là où nous sommes arrivés. Nous sommes dit, voilà le projet des 145 territoires. Meaning nango kombalobaka en anglais. Ça veut dire quoi le projet des 145 territoires? C'est-à-dire que Babiloko onyo soit co-dirigé mboka, tout tia yango de façon que le peuple à la base, même na katia magistrature, na katia na exercice magistrature, ba monique non, ba député na bango, ou bien les ministres qui ont été désignés. Et pour moi, na projet Otoloba ki boye, nous devons constituer un ce qu'on appelle le think tank. Batou ba ministrable dans chaque territoire tokoye ba ministre nina okikoza la kuna. Le gouvernement central doit avoir président nini na akosala ni. Comment est-ce que le président de la République pourra désigner un gouvernement de 25 ministres? Et quels sont ces ministres là? Est-ce à la kakate que non oh batou ba zala ki pembeni pembeni ya mokonzi mokonzi ango toko désigner ndenge nini? Nous saurons, et si nous donnons le pouvoir au président de la République de nous donner un gouvernement central qui lui-même sera, par exemple, responsable à niveau du Parlement. Ça, c'est le système présidentiel. Parce que même les assemblées territoriales pourront avoir un mot à dire sur un ministre, par exemple, et pourront, par exemple, dire que non. Ministre, on a dit reconnaître, ou bien Moussala, on a dit les âmes à la moutée. D'ailleurs, ça ne. Eko qui pas qu'à l'issoubango, te ba ministre, Moussala, ba ministre, Kozala, mingi, mingi. Kaka ba mistala ko régulariser ba biloko ezo kende na gouvernement nanani mobimba mais le tout le travail ba misala nyoso e ko bando sale makaka na niveau territoire na niveau province. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire. Toko continuer ka na sujet oyo ya ko expliquer bino comment est-ce que nous pouvons sortir de ce marasme. C'est pour cela que nous nous sommes dit nous supportons le président de la République aujourd'hui na ndenge ke azana pouvoir ya ko lancer programme oyo na ndenge ya malamu ya ko retrocéder pouvoir na kati ya base. Voilà. Je vous remercie encore pour tout ce qui batunyo surtout vraiment bazo supporter bazo benga biso batunyo surtout o baza ko sala en tout cas bazo landa biso mikolonyo so très religieusement mingi mingi abonnez-vous partagez aussi cette émission parce que to ebité e kokoya na mato ya nan déjà. Déjà une émission passée. Nous sommes très contents parce que déjà Kinshasa commence à comprendre que non. Modèle Otozo Kende,
il faut que tout ça la kaka ba peuple ba se gérer bango moko. Il faut que le pouvoir rentre à la base. Il faut que la base puisse s'auto prendre en charge. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.